L'Irlande devrait dire oui au pacte budgétaire européen, un texte qui vise à instaurer une plus grande discipline en matière de gestion des finances publiques. Le dépouillement du référendum a débuté ce vendredi et, à en croire les premières estimations, le camp du oui, emmené par le gouvernement d'Enda Kenny, affiche sa confiance. Dès hier soir, Dublin affirmait que le pacte devrait être approuvé par près de 60% des électeurs. Les résultats sont attendus dans l'après-midi. Ce serait donc une défaite pour les partisans du non conduits par les nationalistes du Sinn Féin de Gerry Adams. Pour eux, ce pacte est l'incarnation de la politique d'austérité qui, disent-ils, conduit l'Europe à l'échec. Au cœur du débat, l'une des clauses du traité qui prévoit que seules les parties contractantes pourront bénéficier à l'avenir d'une aide financière européenne.